bueno, já bueno, baridi nasa, é, baridi, baridi. Barite, moi, dans un pas, ma foule à tout comprendre. Mais bon, deux saisons, hein. Ça a commencé. Mais bon, je vous ai promis, hein. Je nous ai promis de venir de temps à autre vers midi quand je vais à une course à une autre. Voilà. Parce qu'à la maison, on a, des fois, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, tu as couillé, pas ni pause midi, tu as été papa, tu sais, ma ou quoi. Bandou. Bandoukou Bapenzi, bonjour. Bandeko Bampanya Mounou. Hein? Batatouba Mam. Oh les amis, c'est très grave. C'est très grave. Le Congo, on va pleurer. Tout à l'heure, la Kusaga Meno, comme on dirait, comme la Bible dit que vous allez pleurer et grincer les dents. N'est-ce pas? Hein? Et après, les dents deviendra comment aigre, comme si tu as mangé les mangues non mûres. N'est-ce pas? Et les Congolais, ils ont ça, mais les Congolais ne font pas attention. Que leur dent est devenue avec cette aigreur de l'acide. Et les Congolais avancent tout droit vers le mur. Mais j'étais quand même contente hein, de voir quelqu'un qui s'élève pour dire la vérité en face. Les Congolais, c'est ce que nous on vous dit. Apprenez déjà à admettre la vérité. Apprenez à admettre la vérité que Chilombo c'est un incapable. Apprenez à dire que oui, votre premier ministre, c'est juste un type qu'on a mis là-bas. Il doit dire Alléluia, Amen. Comme tout le monde dans les églises, on dit Amen même quand tu n'es pas d'accord avec ça. N'est-ce pas? Hein? Même quand tu n'es pas d'accord dans les églises, on vous dit de dire Alléluia, Amen. Mais là, vous vivez ça, les gars. Nous vivons le déclin, nous vivons le désordre de ce pays-là. Mais ça n'indigne personne. Et les gens, ils ont les dents aigres. Parce que vous savez, les dents aigres, c'est quoi? Ce n'est pas avoir à manger, de ne pas avoir du travail, de ne pas avoir un salaire adéquat, les hôpitaux et patati et patata. Et on ne va pas nous dire que oui, voilà, oui, Chilombo, c'est juste quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Non, normalement, les gens qui sont dans l'opposition doivent être préparés. Donc, Chilombo, il est né dans l'opposition et il a grandi dedans. Ça veut dire que Chilombo, c'était quelqu'un normalement, logiquement. Nous, on ne devait pas faire des vidéos, on devait seulement l'acclamer, n'est-ce pas? On devait seulement acclamer parce que lui, il était normalement un fils de... Comme vous, vous aimez les fils d'eux. Les fils d'eux. N'est-ce pas? Vous aimez trop les histoires des fils d'eux. Comme c'est les fils d'eux et que le père d'eux, n'est-ce pas? Il a milité, c'est lui le père de la démocratie. On doit d'abord te dire, tu vois, on doit encore se dire que oui, voilà, le père de la démocratie doit... Nous, on est à l'étranger, c'est pour ça qu'on l'ouvre. On a vu les soi-disant, quelqu'un où son père est le père de la démocratie, arrêter les gens qui ont cette liberté d'expression, de se poser des questions à haute voix et de parler. Parce que les Congolais, on est en train de vous réduire au silence, de dire que vous devez vous taire, vous ne devez pas parler, sinon Chilombo va vous arrêter. Lui-même, il vous a promis ici, quand il était au Tchad, là-bas, il a dit que oui, les prisons vont remplir, Maloko et Kotonda. Nous, lui, il va construire les Maloko. Parce que les Maloko qu'il y a au Congo, là-bas, les prisons, c'est même pas les gens qui sont là-bas, il y a surpopulation dans les prisons. Donc, Chilombo, au lieu de vous créer des emplois, au lieu de créer des entreprises, on ne crée pas les entreprises que oui, l'État commence à créer les entreprises au jour d'aujourd'hui. Non, 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 non. Les choses ne se font pas comme ça. On crée les entreprises comment? C'est en ayant les entrepreneurs. Quand il y a des entrepreneurs, donc ces entrepreneurs-là, ils ne peuvent pas même dans la sous-traitance, les entrepreneurs dans le route, les entrepreneurs qui livraient des marchandises, ils ne peuvent pas travailler seuls. Ils travaillent avec le peuple, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Donc Chilombo, comme il n'a pas donné le pouvoir, on a vu, on lui a parlé droit dans les yeux. Je félicite ce monsieur-là qui a parlé à Chilombo, le monsieur entrepreneur qui dit que oui, au Congo, les gens, ils sont contents. C'est ce que j'ai dit tout le jour ici. Je le dis même avec une banalité de dire que oui, bah chinois, bah quoi, bah na wina, hein, bah ngindi. Bah, 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 oh, yo, yo, so, bah, bah ngindi. Tout le monde ngindos, sauf vous les Congolais. Quand on a parlé, on a dit ça au Parlement d'Eva Chilombo. C'est moi qui ai mis le mot dans la bouche de ce monsieur qui a dénoncé que oui, au Congo, il y a chaque jour, on fait des millionnaires étrangers. Et vous, ça ne vous indigne pas parce que les Congolais, on leur a enlevé cet esprit de grandeur. De toute façon, les Congolais, on ne nous a pas appris, nous tous. Hein. Moi, je suis autodidacte. Je me suis faite moi-même. Des pères qui ont mis, mi orphelin wazamani. Orphelin des pères et des mères, c'est moi. J'ai grandi dans cette méchanceté en tant que, comme les Congolais font grandir les enfants qui n'ont pas des parents dans cette méchanceté. Surtout les femmes congolaises, ce sont des méchantes qui font grandir les enfants
orphelin dans la méchanceté. Moi, je suis autodidacte parce que j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup voyagé. C'est pour ça que vous me voyez, j'ouvre grand ma bouche et vous ne comprenez pas. Parce que la plupart de Congolais, l'éducation de nos parents, c'est de se taire, d'obéir. Moi, je suis rebelle. Après 2 km, prenez à droite en direction de la R0. Merci. N'est-ce pas? Moi, je suis rebelle depuis la Lakana. N'est-ce pas? Depuis Chukuya Mungu. Migo rebelle, parce que j'ai toujours été. Je me suis toujours intéressée aux choses que les autres ne s'intéressent pas. C'est pour ça que je parle. Je parle parce que il faut parler. Le Congolais, on n'éduque pas les enfants. Nos parents ne nous ont pas éduqués à être des autodidactes, à avoir des ambitions. Le parent a éduqué les enfants à être des Jekaminars, à être les gens de la SNEL, à être des gens de l'ONATRA. Et après, quand ton papa mourait, on te prenait, toi, on te mettait là-bas pour souvenir aux besoins de la famille. Ça n'a pas de sens. Normalement, on devait nous faire que. Regardez, quand il y a même les histoires, les marchés et tout ça, on ne donne pas ça aux Congolais, on donne aux Libanais. Parce que c'est un état d'esprit qui a été. Les gens ont toujours été éduqués ainsi. Et ils ne peuvent pas aller loin. Les Congolais, tout le problème, on a des sérieux problèmes, les gars. Nous avons des sérieux problèmes de constitution. Les Congolais, ils sont toujours là de vouloir prendre ce qu'il y a autrui, hein, de vénérer ce qu'il y a autrui. Quand moi je vais venir là-bas au Congo, je crée même ma marque de vêtements. Oui, j'ai déjà écouté. Hein? Je crée une marque de vêtements. On ne voudra pas de mes vêtements à moi. On voudra aller chercher cela. Il y a Dubaï, il y a bas Chinois, il y a bas ceci, il y a bas cela. Et pourtant, peut-être moi, je fais bien. Mais par contre, dans les pays dans lesquels nous vivons, ou les pays qu'on a fréquentés, on sait qu'on doit d'abord promouvoir les enfants du pays. Le promouvoir, c'est quoi? C'est leur donner des marchés parce que quand on donne aux enfants du pays, ils n'ont pas quoi que ce soit à faire. Nous sommes ici en Europe, par exemple. En Europe, ici, tu vas trouver, c'est vrai, il y a des entrepreneurs congolais, il y en a, les entrepreneurs libanais, il y en a ici en Europe, les Algériens qui sont même multimillionnaires, il y en a. Mais d'abord, on donne aux enfants du pays. Pourquoi on donne aux enfants du pays? Parce que l'enfant du pays, quand on aura décroché les marchés, il aura décroché les marchés, il ira mettre son argent dans le banque et il va employer ses frères. C'est de ça qu'il s'agit. Et cet argent qui reste dans le banque, ça ne va pas rester là-bas en train d'attendre. C'est de l'argent qu'on investit dans plusieurs domaines. C'est de l'argent qu'on investit dans plusieurs domaines et tout ça. Et puis, il y a des intérêts que l'État prend. Vous savez, ici, quand moi je regarde les prélèvements de ma banque, il n'y a pas grand-chose qu'on prend. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Vous là-bas, les banques, comme ce sont les banques des étrangers, les Rosbank, les TFM, les machins, les Maryland, ou je ne sais pas quoi et quoi, et tout ça, ce sont les banques des étrangers. Ces gens-là, ils mettent même de l'argent sale dedans. L'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent de financer des guerres. Hein. Ah oui, les banques qu'il y a au Congo là-bas, parce qu'il n'y a pas des banques congolaises. Il faut qu'on se le dise. Et tous les intérêts, ça va dans leur pays. Les Libanais, les Indo-Pakistanais, les tout. Regardez comment ils vous êtes taxés. Ils n'ont même pas pitié de vous parce que vous n'avez rien à dire. Vous dépendez. Les personnes qui dépendent de l'autre, le jour que l'autre décide de vous faire un envers, ils vous ont fait un envers sans discussion. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Il faut comprendre, Makambo. Quand je vois les Congolais être derrière, on ne dit pas que oui, il faut être des personnes qui vont jouer à la xénophobie. Non, on ne dit pas ça. On est en train de vous parler. Vous allez au Nigeria, vous allez trouver les femmes nigériennes qui sont millionnaires. Vous allez trouver les hommes nigériens, ils sont millionnaires. Ne me dites pas que oui, ces gens-là, ils ne travaillent pas en collaboration avec des étrangers. Si, ils travaillent avec les étrangers. Les étrangers, comme au Qatar. Les amis, vous voyez le Qatar, là où il y a le Coupe du Monde qui se joue là-bas au Qatar. Les gars, c'est pour ça qu'il faut lire. Moi, je suis bien ma sexe. Moi, je suis bien ma boubumbafou. Il faut être dans des histoires qui vont faire à ce que vous ouvrez. Vous allez vous ouvrir la tête, les yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber. Vous voyez la Bible là? La Bible, ce n'est pas un moche livre. Hein? Moi, je n'aime pas les histoires là des chrétiens et tout ça, machin, je n'aime pas ça. Mais la Bible, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on te dit les écailles vont tomber, moi, mes écailles sont tombées. Mais toi, on te dit, les écailles sont tombées puisque je viens l'ouvrir ici et j'ai compris le système.
J'ai compris les systèmes, de comment est-ce que les histoires fonctionnent. J'ai compris beaucoup de choses parce que les écailles sont tombées. Vous, les écailles sont tombées dans quoi? Il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quand tu auras la connaissance de faire de route, la connaissance de faire de la bonne politique, la connaissance de gérance, la connaissance de ceci, c'est là où les écailles vont tomber. Parce que quand les écailles tombent, tu ne vas plus mourir de faim, tu ne seras plus une nécessiteuse, une personne nécessiteuse. Tu seras une personne bien. Mais vous, vos écailles tombent dans un lieu où on vous est enfermé là-bas. Les gars, il faut réfléchir. Moi, les écailles sont tombées, c'est pour ça que je vois tout clair. Avant même qu'une personne ouvre sa bouche, moi j'ai déjà compris ce qu'est la personne. Avant même que je discute avec une personne, je sais que oui, celui-là, il a encore des écailles, il ne comprend pas. Vous voyez comment je vais déterminer les gens qui ont les écailles dans les yeux. Les gens qui ont des écailles dans les yeux, c'est que c'est ces gens-là qui vénèrent les autres qui le faisaient mal. Les autres qui font à ce que ces gens-là finissent en ruine. Ils acclamaient. Vous acclamez pour Joseph Kabila. Vous acclamez pour Moïse Katumbi. Vous acclamez pour Tshisekedi. Vous acclamez même pour Maman Marthe. C'est ça les écailles. Vos écailles ne sont pas encore tombées parce que vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Les écailles sont encore là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je tente de vous dire, l'histoire d'entrepreneuriat, dans la sous-traitance... Pourquoi ça fait ça? Hein? Dans la sous-traitance, dans ceci et dans cela, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire Allez, vas-y. Hein? Les histoires de la sous-traitance. S'il y a beaucoup de Congolais qui ont des millions, ils vont embaucher les Congolais. Et les Congolais qu'on embauchera, ils payeront des impôts. Et les impôts vont faire assez que l'argent qui rentre, on va injecter ça dans les hôpitaux. On va injecter à construire ma hôpital où il y a ça. On va injecter ça dans les écoles. On va injecter ça dans le route. Parce que regardez quand même les gars, on ne peut pas vivre seulement que oui, le OCC fait rentrer de l'argent ou la DGR4 fait rentrer de l'argent. Mais non, même les emplois. Les emplois, n'importe quel emploi, les chauffeurs, le ceci, de cela. Parce qu'il y a une chaîne, on appelle ça le corps de métier. Même dans les hôpitaux, il y a plusieurs métiers dans les hôpitaux. Il n'y a pas que des médecins et des infirmières. Il y a des gens qui nettoient. Il y a les gens qui livrent. Il y a les gens qui travaillent dans les cuisines, dans les hôpitaux. Il y a les gens qui font les fleurs, qui mettent à ce que l'environnement. Il y a des gens. Et même dans les hôpitaux ici, on travaille avec la sous-traitance. Quand il y a des trucs qui se cassent, on appelle les gens qui travaillent dans les bâtiments, ils viennent construire. Quand on voit que oui, la peinture n'est pas bonne, on appelle quelqu'un qui a son entreprise de peinture et la personne vient faire la peinture et les hôpitaux payent pour ça. C'est comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas que oui, en attendant seulement oui, la société de l'État puisse injecter. Non. Puisse avoir l'argent pour que cet argent-là, c'est ça qui va faire le budget. Le budget se calcule, le budget d'un pays se calcule par rapport aux impôts qui rentrent, par rapport aux contraventions routières. Quand tu ne respectes pas le code routier, on te colle les trucs et l'argent part là-bas. Et quand tu ne respectes pas, je ne sais pas, il y a plein de bazars qui font rentrer de l'argent. Oui. Il y a plein de trucs, les taxes de circulation, les histoires de cartes d'identité, les passeports, tout ça, ça fait rentrer de l'argent chez l'État. Ça fait rentrer dans l'État. Et quand on va comptabiliser ça, c'est là où vous aurez le budget annuel d'un pays. Vous, votre budget annuel, vous calculez seulement les histoires de mining. Et en plus de ça, ce qui est quand même étrange dans ces histoires, ils prennent même les impôts sur avance chez les mining, chez Glencore, chez tous ces gens-là qui sont dans les kilomotos ou je ne sais pas quoi. Ils prennent même les impôts en avance. Donc, au lieu de prendre les impôts de l'année 2021-2022, et ils prennent déjà de l'année de deux années en succession et précédent. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas. Un pays ne peut pas fonctionner ainsi. Un pays ne peut pas fonctionner ainsi, le gars. Ce que vous faites comme étude, c'est déjà démodé. Au jour d'aujourd'hui, pour être entrepreneur, tu n'es pas obligé non plus d'avoir bac plus 25. Il faut juste avoir un esprit entreprenant. Tu dois avoir ton esprit qui est entrepreneur. Oui. Regardez, vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est seulement travailler, je ne sais pas, sous-traitant, tu peux être entrepreneur, tu fais le champ.
tu vas livrer les maïs dans telle ou telle, telle minoterie. Toi, tu livres, la minoterie là fait la transformation de cette matière première. Et après, l'autre qui vient avec les sacs, c'est une autre personne qui vend ses sacs. C'est comme ça une chaîne d'entrepreneuriat, c'est comme ça que le pays fonctionne. Mais pas seulement, oui, tu es là, tu fais la politique, c'est là où tu deviens riche, ça n'a pas de sens. Et vous, vous avez encore des écailles aux yeux. Et moi, je suis là pour vous enlever ces écailles. Mikuna mitosha ma ni manini banaitaka ma écailles mouswahili. J'ai oublié. Mikuna mitosha les ma écailles kumenjo. C'est ce que j'ai fait comme travail. Mais vous ne comprenez pas, vous nous insultez. Mais bon, les insultes, c'est devenu notre nourriture. Quand vous n'insultez pas, donc ça veut dire que nous ne faisons pas correctement notre boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Les gens, l'entrepreneuriat. Tu peux créer ton entreprise. Les Congolais, ce que j'ai compris, moi j'observe beaucoup, ils sont soit dans les gardinages, c'est ça leur entrepreneuriat, dans les gardinages, mais par contre vous pouvez aussi aller dans les mairies, de faire entrepreneuriat de quoi? De juste nettoyer les villes. C'est toi qui nettoies et tu travailles avec la mairie. Tu travailles avec la mairie, toi tu embauches des gens, tu achètes des matériels qui vont faciliter aussi la tâche aux gens qui vont travailler pour nettoyer les rues, pour orner les rues avec des fleurs et patati et patata. Vous êtes toujours là quand vous allez étudier. Tu vas devenir seulement avocat. Toi-même, tu n'es pas éloquent. Toi, tu as un problème de dyscalcul. Tu as un problème, tu ne sais pas calculer. Tu ne sais rien faire. Tu vas devenir, tu vas faire l'économie. Tu ne comprends même pas le langage. Tu n'as même pas les outils. Tu ne sais même pas ce qui se passe à des trucs de bourse là. Tu ne comprends même pas c'est quoi le fonctionnement des bourses parce qu'au Congo, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Il y a des sciences en fait, ce n'est même pas destiné pour les Congolais. Les Congolais devaient être juste les comptables. Oui, oui. Ils créent, ils comptabilisent. Parce que quand vous êtes là en train de dire que oui, tu vas faire l'économie pour faire des trucs de bourse, dites-moi la courbe, est-ce que vous la suivez? Vous avez de l'électricité tout le jour. Internet en question, c'est déjà un problème. Et tout ça, quand on vous dit, vous verrez nous insulter. Vous avez vu comment on a ramassé Chilombo là-bas? Chilombo ne comprenait rien du tout. En tout cas, Chilombo ne comprenait rien du tout. Il avait honte. Parce que lui, il prend tout à la légère. Chilombo, c'est une personne qu'on ne peut même pas lui laisser la surveillance d'un nourrisson. Comme on a moitié Chilombo bateau, ma thèse, kunya na ma DDT. Makanda, Makanda ya, Makanda ya Samaki. Merci papa, papa Toto. Chilombo lui, c'est un monsieur très 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 dangereux. On ne peut même pas lui confier un bébé. On a toi toi pour moitié bébé. On connaissait tu, papa, on t'ouvre comme Toto, minenda panso quoi. Pour t'attacher mon Toto, ça coucou. On a kunya ma DDT, on a kunya ma Javel. Chilombo c'est un inconscient. Des preuves avec que vous voyez comment est-ce qu'il a mené notre pays dans l'inconscience. Il est venu là, il a logé les M23 à Kinshasa. On leur a payé leur argent. Et soi-disant l'argent, on leur a donné de l'argent. On les a logés, nourris aux frais du contribuable congolais. Aujourd'hui, les M23 en question, ils nous attaquent, ils prennent nos villes en otage ou ils prennent nos villages et ils violent, ils tuent nos maires. Kagame, le même Chilombo là, il est venu nous dire que oui, oh, Kagame c'est son frère et que lui va faire la diplomatie, je ne sais pas quoi. Le Rwandais, ce sont nos voisins. Ils ont utilisé un mot que j'ai oublié, je ne sais pas quoi, et tout ça. Aujourd'hui, Kagame les dénonce. Il est parti rentrer dans l'Afrique de l'Est, le communauté de l'Afrique de l'Est là-bas. Tout le monde est contre lui, on le trouve bourrique. Le président ou burundais, il dit que ce n'est pas normal que vous allez. Les Tanzaniens même, ils ont refusé, ils ne vont pas envoyer leurs militaires là-bas pour venir mourir au Congo pour les Congolais. Regardez, ça, si cette personne, est-ce que vous pouvez lui confier un nourrisson? Envoyez pour moi les cœurs, ça ne va pas vous plaire parce que vous avez encore les makanda. Vous avez encore des écailles dans les yeux, c'est pour ça que vous ne comprenez pas même mon message quand j'ai dit. Normalement, vous devez être là nombreux à applaudir parce que je vous enlève les écailles. Regardez Chilombo. Hein? Il est parti rentrer dans un groupe où tout le monde est contre lui. Les Tanzaniens, ils ont un peu le recul avec ça parce que tout, vous savez la communauté de l'Est là. Et même ils se connaissent. Merci pour les cœurs. Ils se connaissent, le gars. Ils se connaissent. Le Rwandais se connaissent avec le Burundais très bien. Le Rwandais ne blague pas avec le Burundais. Le Rwandais se connaissent très bien avec le Ougandais. Le Rwandais ne blague pas. C'est pour ça que vous voyez le Rwanda. Ils restent en bon contact avec le Ougandais parce qu'ils se connaissent très bien. Le Tanzanien, ils se connaissent avec le Rwandais. Le Rwandais ne peuvent même pas jouer avec les Tanzaniens. Vous comprenez? La seule personne qui ne connaît pas son histoire, c'est Chilombo, le dangereux. Eh les gars,
La seule personne qui ne comprend pas et qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, c'est Chilombolé dangereux. Vous comprenez? C'est lui qui ne comprend pas que oui, cette histoire, c'est une histoire de long. Donc, ça fait des décennies, des siècles que oui, même les Congolais de l'Est connaissent bien l'histoire. Très bien même. Parce que quand vous allez là-bas, vous allez voir, si ces gens-là ne connaissaient pas leur histoire, nos frères de l'Est de la République, s'ils ne connaissaient pas leur histoire, au jour d'aujourd'hui, ça allait... je vais me garer là, parce que j'ai encore beaucoup de temps. Je vais à mon rendez-vous, j'ai pas envie de payer beaucoup de choses de parking. Hein? Si les gens de l'Est ne connaissaient pas leur histoire, à cette heure ici, l'Est devait déjà partir au Rwanda. Comme eux, ils connaissent l'histoire de l'Est de la République, ils ne veulent même pas cautionner ces bêtises-là. Il n'y a que Chilombo qui est parti se mettre dans ces histoires là-bas, sans savoir que oui, voilà, ce n'est pas bien. Et que ces gens-là, ils ne sont pas pour nous. Il n'y a que lui, n'est-ce pas? Il n'y a que lui. Parce qu'il y a l'histoire de Rwabugiri. Rwabugiri, c'était un roi rwandais. Le roi Imatuti. Chilombo ne comprend pas tout ça. Parce que quoi? Parce qu'il ne sait pas documenter. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire du Congo. Il ne connaît pas l'histoire de l'Est de la République du Congo. Lui, il veut pour lui dire on ne peut pas se battre pour les terres. Et pourtant, même à l'époque ancienne là-bas, là, à l'époque ancienne là-bas, vous allez chercher Mugeni et tout ça, c'était des reines puissantes qui ont suivi Rwabugiri, qui les ont chassés jusque le monsieur est parti mourir là-bas. Chilombo, il dit que nous, il est venu, oh, vous ne pouvez plus vous battre pour les petits morceaux de terre. Mais sur le morceau de terre là-bas, il y a les minéraux, ces petits morceaux de terre. Il y a des autochtones qui habitent là-bas. Il y a les villages des gens. Il y a les esprits des ancêtres qui règnent là-bas. Chilombo veut tout laisser, dit que oui, voilà, partez, laissez là, les trucs là, et on sera bien. Aujourd'hui, nous en sommes, nous. La guerre là qui se passe au Congo là-bas, ce n'est pas une guerre maintenant là. C'est une guerre ancienne. Des preuves en est que le Burundais, ils se sont mis ensemble avec le Rwandais, mais ils sont dans les qui-vivent. Les Tanzaniens, ils sont dans les qui-vivent. Le Kenya, là-bas, tu le vois, c'est des gens, des opportunistes. Parce qu'au Kenya, il y a beaucoup de misère. Hein? Ouais, vous ne vous trompez pas. Et aussi, il y a aussi, c'est comment on les appelle? Les qui... C'est quoi ces tribus de Kenyatta, Uru Kenyatta? Ils sont aussi bantous, c'est pour ça que vous les voyez un peu, un pied dedans, un pied dehors. Parce que eux, ils connaissent au moins l'histoire. Mais le seul bourrique qui est parmi eux, c'est Chilombo. C'est pour ça aujourd'hui, Kagame vient dire qu'il n'a pas gagné aux élections. Quelqu'un, regardez, est-ce que vous trouvez ça normal? Que oui, Chilombo a fait même tuer ses frères, ses oncles, ses amis, et tout ça pour qu'il reste avec Kagame. Au jour d'aujourd'hui, Chilombo a tout donné à Kagame. Il lui a donné quoi? Il est rentré déjà dans l'Union de l'Afrique de l'Est. Il est rentré dedans. Chilombo, il a donné il a accordé à ce que le Rwanda puisse faire le raffinerie de l'or et la raffinerie de coltan. Et pourtant, au Rwanda, il n'y a pas tout ça là. Il a tout donné. Il s'est même rabaissé à dire que oui, voilà, les Banyamulenge ou les Rwandais, ce sont des Congolais. Chilombo a tout donné. Tout donné. Mais aujourd'hui, on lui a dit ici. On lui a dit que tu peux tout donner. Chilombo pourra donner même sa tête. Kagame n'acceptera jamais. Parce que le but de Kagame, c'est que Chilombo n'a pas compris. Ce n'est pas de lui donner. Le but de Kagame, c'est extendre l'Imatuti. Extendre l'Imatuti, l'empire de Tutsi. C'est ça l'objectif. Des preuves en est qu'au Centrafrique, là-bas, moi je vais intervenir dans les histoires sous-centrafricaines. Moi, on m'invite souvent là-bas. On me considère en Centrafrique. Ah oui, moi je vous dis la vérité. Hein. Au moins, on me considère en Centrafrique parce que je les ai fait tomber, éclaircir beaucoup de choses. Sur ce que parce que le Rwanda, il ne s'arrête pas seulement au Congo. Ils sont partis même en Centrafrique là-bas. Le Rwandais que vous voyez ici, que oh, laissez-nous, oh, ceci et cela. Ils sont même en Centrafrique. Moi, on m'invite à participer. Moi, les Centrafricains me donnent même un peu d'argent. Chaque mois, une Centrafricaine, tellement que je les ai fait tomber les écailles. Il me donne même chaque mois vraiment une dame centrafricaine, il me met de l'argent sur mon compte. Dans son budget, moi je suis dedans parce que j'ai fait tomber les écailles des centrafricaines. Et j'ai confirmé ce que ils n'étaient pas vraiment trop clairs. Ils voyaient la chose, mais ils ne voyaient pas très bien la chose. Donc, les Congolais, arrêtez d'être des bébés. Des bébés. Vous n'êtes plus des nourrissons. Vous savez, quand vous avez trop souffert,
Il y a des choses que vous ne pouvez plus accorder. Il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. On vous a dit ici que le Wewas était de la milice. Vous avez vu comment est-ce que le frère a été tué. Et devant la police, devant le peuple congolais. Congolais, comment est-ce qu'on peut agresser ton frère devant toi, même si qu'il soit fautif? C'est ce que je vous dis, non? Vous lisez la Bible, même vous ne la pratiquez pas, mes gars. Vous lisez la Bible, mais vous ne pratiquez pas. Quel que soit que la personne ait fait quoi que ce soit, on ne peut pas laisser une personne qu'on le ligote comme ça, qu'on l'amène comme ça, et que sans que personne d'humain puisse interférer cette affaire. Regardez comment est-ce que ce frère-là a été pris par des personnes lambda qui ne sont ni de la police, qui ne sont ni de je ne sais pas quel pouvoir ils ont ces gens d'arrêter quelqu'un comme ça, de l'amener comme ça humainement. Et vous, les Congolais, vous êtes là. Vous allez dire que vous êtes avec Jésus. Bon, ça c'est même l'image de Jésus en question, parce que de toute façon, quand on était en train d'amener Jésus sur la croix et qu'on l'a crucifié, les gens étaient là. C'est ça l'image que vous avez, en y réfléchissant en fait. En y réfléchissant, c'est l'image de Jésus-Christ. L'image de la religion que vous suivez. Donc, quand on était en train d'aller crucifier Jésus-Christ, il n'y a personne qui s'est mis là-dedans. Tout le monde pleurait, tout le monde avait pitié. Mais jusqu'à ce que, on a pris ce pauvre monsieur, jeune qu'il était, on est parti le crucifier là-bas. Et maintenant, vous regardez ça, vous êtes content que oui, il s'est sacrifié pour vous. Il m'a rédigé qu'on a membre, hein. Et beaucoup de gens n'y réfléchissent pas. C'est inhumain. Inhumain de voir vraiment. Moi, hein, les amis, moi, tel que vous me voyez là, hein, je ne supporte pas et je ne tolère pas l'injustice. Dans n'importe quelle faute. Des fois, je rentre même dans les histoires des gens que je ne connais pas. Vous voyez, quand nous, on vit ici dans des pays des autres, dans les pays étrangers, des autres. Il y a des histoires, en fait, tu peux discuter avec l'autochtone, il y a ses frères qui viennent rentrer dedans directement, ils commencent à t'incriminer, ils commencent à malmener. Moi, je rentre, que ce soit dans le métro, que ce soit dans ceci, même si mon frère a tort à cet instant-là, mais tellement qu'eux, ils sont nombreux, je vais rentrer dedans. Je vais m'interposer. Dès qu'elle doit vous faire ça, dès qu'elle doit vous lui parler comme ça, allez, vous changez des fois votre attitude de parler aux gens. C'est pas parce que tout ça est d'ailleurs. Je vais ramener toute une histoire, même la colonisation, même leur histoire de Léopold II qui a coupé les mains des Congolais. Je vais ramener ça là-bas. Allez, taisez-vous. Et je prends l'autorité, hein, comme vous me voyez ici, là. Que ça soit dans les métros. Moi, j'ai fait beaucoup de choses à cause de l'humanité, l'humanisme. Même ce que je fais ici, c'est l'humanité, c'est l'humanisme. Après, je dirais à mon frère, je dis, mais toi aussi, tu es en train de parler fort comme ça dans les métros, c'est quoi ça? Hein? On parle doucement. On se respecte quand on est dans les lieux publics, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais vous, on est en train de ligoter. Et ça, c'est l'attitude de tous les Congolais. Les Congolais, ils laissent d'abord les choses arriver. Vous laissez vraiment votre frère, vous ne savez pas où on l'amène. Il n'y a personne qui s'est interposé. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Que vous reproduisez. Parce que quand on a amené ces pauvres garçons, Jésus-Christ, on l'a amené là-bas, on a commencé à les ligoter. Les gens étaient là en train de pleurer, en train de s'indigner, mais ils n'ont pas arrêté cette histoire. C'est ça qu'on vous dit, la révolution. On ne peut pas vous prendre en otage comme ça par des personnes idiotes, par des personnes qui n'ont pas la compassion ni l'amour du prochain. Et vous, vous êtes là en train d'applaudir, puis vous allez dire que vous êtes dans les églises. Quand je vous dis que vous êtes enfermés dans une boîte, les écailles sont encore là. Au contraire, les Congolais, ils ont plus d'écailles dans les églises qu'autre chose. Vous dites toujours, les écailles sont tombées, mais vous ne savez pas distinguer et distinguer le bien et le mal. Vous ne savez même pas voir quand vous souffrez vous-même. Vous ne savez même pas voir que oui, votre pays est sale. Dites-moi un peu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même quand il y a les détournements. Vous ne savez même pas revendiquer vos droits. Même dire t'es vraiment, non, c'est pas normal. Quand vous le dites en dessous de vos chemises. Vous le dites, vous ne le dites pas comme ça. Il faut être culotté, courageux. Les Congolais, vous enlevez votre courage. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là où je parlais, j'ai parcouru combien? J'ai parcouru au moins 31 kilomètres. Ça a combien de temps? Regardez ma vidéo, elle a pris combien de minutes? Là où je suis à 31 kilomètres de chez moi, j'ai conduit seulement, et tout ça.
À 31 km, je suis arrivée, j'ai fait, j'ai parlé, j'ai continué, je suis arrivée là où je partais, à 31 km de chez moi. Même si les écailles ne peuvent pas tomber vraiment. Et quand moi je vais parler ainsi, vous allez dire que je suis complexée. Les bonnes choses doivent vous inspirer, les mauvaises choses ne peuvent pas vous inspirer. Les bonnes choses devaient vous inspirer à tout prix. Vous, les Congolais, les mauvaises choses, les pasteurs, les mauvaises choses, hein, les pasteurs, ils font beaucoup de boucans. Ce sont les mauvaises choses, les pasteurs. Les pasteurs ne devaient pas vous inspirer. Les mauvaises choses ne peuvent pas vous inspirer. Vous, vous êtes là en train d'admirer un pasteur voleur. C'est des mauvaises choses. C'est des gens qui abrutissaient les autres. Et vous, ils vous escroquaient au longueur de, tout au longueur de votre vie. Avec de faux prophéties, avec des mensonges. Vous admirez ça. Et tout un Congolais dans un coin de sa tête, dans son cerveau, il y a un coin, le Congolais est inspiré de devenir pasteur. Parce que les Congolais, ce qui les inspire, ce sont des choses mauvaises. Des voleurs. Le Congolais veut aller travailler dans la politique pour voler. Les Congolais soutiennent les politiques méchantes. Parce que vous savez ce qui a tué le Congo au jour d'aujourd'hui. C'est la politique et les églises. Hein? La politique et les églises. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir politique pour qu'il soit récompensé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça, ça inspire beaucoup de gens de devenir, ouais, tu vas voir vraiment une personne normale, il commence à cautionner les bêtises de Chilombo, les bêtises, je ne sais pas, de Sama, Sama Keng, votre petit ministre là, et tout, et les voir commencer à être derrière Vital Kamerhe, derrière Bahati Lukwebo. Les amis, comment est-ce que le mal peut vous inspirer autant? C'est parce que vous avez les écailles. Et comment est-ce que l'enrichissement illicite et l'enrichissement personnel peuvent vous inspirer autant? C'est parce que vous avez encore des écailles. Comment est-ce que vous ne pouvez pas entreprendre d'être dans le bon chemin, dans le right way? Les gens qui sont logiques comme nous, vous nous traitez de la folie. C'est parce que vous avez les écailles à la tête. Les amis, moi je vous ai dit ici encore, je répète encore. Effectivement, Papa Pacifique Brian, les personnes qu'on a arrêtées, ce n'est pas ça. Parce que les Congolais, même quand ils arrêtent les gens, c'est vrai que ces gens-là, soi-disant, ces gens qu'on nous a présentés là-bas, ils ont tué cette personne. Regardez comment ils le présentent devant un gouvernant, Kaboul. On prend déjà les gens, on les enlève encore leur, comment on appelle ça, leur dignité. C'est vrai, ils ont tué. Mais la manière dont on les présente, ces gens-là, vous savez que les gens reproduisent quoi? Les gens ne reproduisent seulement ce qu'ils ont vu. Oui, oui. C'est comme l'éducation de voleurs. Comme Papa Tshisekedi dit, Étienne était voleur. Il était pour lui menteur. Il menait les gens au bout du nez dans un bateau. On sait que oui, c'est un Titanic qui va couler dans peu. N'est-ce pas? Et c'est ce que son fils reproduit. Vous savez, la nation là, elle reproduit seulement ce qu'elle voit. La méchanceté. Parce que ces gens-là, ils ont mal fait. Mais vous reproduisez la même chose. Et le jour que les petits enfants qui ont vu comment est-ce que vous les avez ligotés, vous les avez amenés torse nu et tout ça patati et patata avec cette manque de dignité, manque d'humanisme, et ils ont produit quelque chose de très inhumain. Et vous reproduisez la même chose devant et Kaboul vient là-bas, il le regarde comme si c'était de la bétail. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce monde? Vous savez ce qui nous arrive nous les Congolais, c'est ce que les autres voient en nous. Ce que vous faites là, ce sont des histoires des gens, des colonisés. Les colons faisaient ça sur nos aïeux. Et vous reproduisez la même chose. Pourquoi ne pas mettre seulement des vraies menottes? Que la police s'est munie des vraies menottes où on te met quand même avec un tenu de policier. On voit ça même aux États-Unis. On voit ça que oui, voilà, quelqu'un qui arrive dans un tenu, on dit que il est supposé coupable. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des supposés coupables. Mais ces supposés coupables, ce sont des êtres humains. Vous n'allez pas comprendre ces langages parce que la plupart des Congolais sont dans cette haine-là de reproduire le mal en outrance. Oui, les supposés coupables, ils ont les tenues des supposés coupables. On leur donne un tenu, même s'ils ne sont pas encore condamnés, on leur met des menottes logiques, pas des ligotés comme ça, comme si c'était de la bétail. Ici, même la bétail, les gens humains, même de la bétail, quand on va le tuer, il ne faut pas les tuer qu'ils voient parce qu'ils ont aussi des sentiments.
Maintenant, dites-moi une nation qui fonctionne comme ça. Où l'État ne munit pas la police des menottes, l'État ne munit pas la police, ou même quand les personnes sont dans les gardes à vue, avec des vêtements de police, des gens qui sont dans les gardes à vue, des combinaisons, à la limite. Regardez cette image que vous faites. Dites-moi, quand est-ce que ces Congolais deviendront des humains? Moi, je me pose beaucoup de questions. Hein. Moi, je me pose beaucoup de questions. Vos agissements, ces gens-là, les Wewa, ils ont fait ça et vous avez reproduit la même chose. Mais je ne vous dis pas de lécher cette affaire, de faire des enquêtes logiques et d'attraper des vrais coupables. Parce qu'au Congo, on nous amène des faux coupables. Au Congo, on amène les faibles, on les amène, les grands, les commanditaires, on les laisse. Les commanditaires, on les laisse. C'est comme quand je vois les Katangais qui sont en train de cautionner les histoires des monsieur là, les Gédéon Kyung. Mais c'est la folie. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas avoir un leader aussi méchant comme Gédéon Kyung. Vous ne pouvez pas le mettre au rang de quelqu'un qui viendra vous sauver. C'est une gâchis. Une personne qui a bouffé les gens, une personne qui a foutu le boucan. Les Katangais, pour eux, au genre que oui, vous allez me détester. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans la réalité. Comment est-ce que les Katangais peuvent prendre ces Gédéon Kyungu, de les mettre là-bas? De dire que oui, Gédéon Kyungu viendra. Mais quand Gédéon Kyungu va s'en prendre aux autres Congolais, il finira par vous s'en prendre à vous aussi. Il n'y a pas de vrai leader avec un cœur de nationalistes ou avec un cœur de humains. Il n'y a pas ces gens-là au Congo, là-bas. Vous inspirez toujours des choses méchantes. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acclamer pour Joseph Kabila. Ah! Les Congolais. Olive Lembe. Ah! Les Congolais. Ces gens-là, ils vous ont mis dans l'état où vous êtes. Ce que Chilombo fait aujourd'hui, c'est la continuité de Joseph Kabila. Qui ne laissait pas? Bon, Bandoukou, pause midi, c'est pas pour prendre beaucoup de temps, c'est pour vous donner un peu de matière, que vous puissiez réfléchir. Réfléchissez un peu. Moi, je vous ai parlé ici, je vous ai dit que j'étais malade. La bienveillance seulement des personnes soignantes, des médecins. La bienveillance des infirmières, même les personnes qui nettoient, la bienveillance de ces gens-là, ça te donne la vie de vivre. Ça te donne la vie de te battre. Congolais, soyez bienveillants. On ne dit pas être naïf. Congolais, sortez vos écailles. Allez comprendre ce que je vous ai dit. On ne vous dit pas d'être naïf. C'est pour ça l'histoire de la religion, ça doit rester dans le cœur. Ça doit rester. Mais quand tu participes, quand tu es politique, tu ne peux pas arriver avec les versets bibliques. Tu dois arriver avec la Constitution. Quand tu es politique, tu ne dois pas nous ramener les versets. Tu dois nous amener des articles de la Constitution. Et quand il faut agir, arrêter les gens, tu les arrêtes, mais avec une dignité. Regardez l'état de nos prisons. On n'investit pas là-bas. Regardez l'état de jeunes Congolais. Est-ce que ces jeunes-là sont appelés à être des bons citoyens ou des bons humains? Non, pas du tout, parce qu'on n'investit pas l'argent dans les jeunes. C'est des vieux. Les jeunes qui sont au Congo, c'est l'image, c'est que les jeunes n'ont pas été éduqués. Les jeunes n'ont pas reçu quoi que ce soit. C'est pour ça que vous voyez les jeunes, quand ils arrivent là-bas, ils commencent à voler comme les Dani Banza, les Samakenge, les Chilombo eux-mêmes. Chilombo, d'ailleurs, c'est même pas un jeune, c'est parce qu'il a 60 ans. Vous voyez? Donc, éduquez correctement vos enfants avec beaucoup d'amour. Pour que ce soit des humains. Parce que là-bas au Congo, il y a plus des inhumains que des humains. Bonne journée. Au revoir.